Là, il y a une situation assez compliquée à l'aéroport de Dakar parce qu'il y a des gens qui partent au States et qui attendent depuis entre 15 jours et 5 jours, qui attendent de pouvoir partir par Air Sénégal. Ils n'ont aucune nouvelle, on ne leur dit rien. Chaque jour, on reporte leur vol. Il y a des enfants parmi les gens, il y a des enfants, il y a des gens qui avaient des conférences, il y a des gens qui avaient leur travail à rejoindre et ils les ont bloqués. Ils les prennent en otage, voilà. Et ça fait des jours et des jours que ça dure. Donc du coup, ils se sont tous réunis ici ce matin pour faire un sitting, logique. Du coup, ils ont bloqué tous les comptoirs Air Sénégal. Moi, je devais partir à Praia, au Cap Vert. Je suis bloquée, je ne peux pas partir. Sans compter qu'on devait partir ce matin, nous, pour Praia, vers 8h. On nous envoie un texto à 2h du matin pour nous dire qu'on part à midi. Et ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai la carte Air Sénégal, la carte de fidélité. Ils sont tout le temps en retard. J'ai été bloquée 3 jours en Gambie. J'ai trouvé ça inadmissible, mais ces pauvres gens-là, avec des gosses. Nous réclamons notre voix, nous voulons partir. Nous réclamons notre voix, nous voulons partir. Nous sommes là pour nous. Ce billet bi may ñu lako dañ ko jenn kenn ñewul kenn ba légui man gis mom ben wa Air Sénégal bu ñu wax ak ñun ñu ñoomu di ñew fi arrêté vol yépp pour mëna dem parce que li du yoon am na ño xamantene dañu fièvre mère ba la ñu ngalé tok fièvre xalé yu ndaw yi ñom ñepp ñaara jour dañ fi wara départ c'est pas normal ça am ba Air Sénégal Air Sénégal ci souf bu compagnie mom dootuma ko mësa jël xawma kan moko jëlati mais man mom dootuma ko mësa jël té kuma déggal du ko jël. OK. Oui, grand. Oui, c'est la même chose, hein. Nous, c'est depuis le 28. Barki Demba waron nañ ñew 4h du matin ñu nañu le vol a été changé pour ñu ñëwaat tay. On est venu vers hier soir vers minu ay 21h pour jël volu 4h du matin ñu ñëwaat jusqu'à 9h ba légui rien. Té am na ay xalé yu fi nekk ba pare Air Sénégal respecté wuñu seen passagers au fait gus nañu ne maa ngi jéggalu ñu ngi ni mel ne pat faalé wuñu kenn ku ne jàpp sa garde. Man, je pense qu'il faut que nous boycottions côté nous voir porter plainte à Sénégal. Il faut que nous portions plainte parce que c'est du respect. Nous réservons un hôtel New York depuis Barki Demba. Nous dépensons sur nos chalices et nous nous remboursons. Nous allons aller en Californie, à New York, pour nous battre. Il y a des enfants qui sont là, il y a des livres. Donc je crois qu'il faut que nous portions plainte à Sénégal. Nous tous, il faut que nous portions plainte. Parce que les livres, nous sommes partout dans la ville. Je suis ici depuis le 28 juillet. Le 28. Oui, le 28. Donc, ils ne vous ont rien dit de clair? Rien. Le 28, on m'a envoyé un message samedi matin. Oui. Ils disent que le vol est cancellé. Vous pouvez partir la nuit du 31. Le 31, je suis venu. On dit que le vol est cancellé. Mais pas message. On ne m'a pas envoyé message. Ok. On ne m'a pas envoyé un message. Je suis retourné à la maison. Ok. Hier nuit, je suis venu. Oui. J'ai pesé les bagages. On m'a dit que, voilà, tu vas dormir à l'aéroport. Moi, je suis un patient hémodialyste. Oui. I cannot sleep in the floor. Oui. I cannot sleep outside. I have to go to get a treatment. Ok. You know? Ok. Now, ok. Mais qu'est-ce que vous suggérez maintenant, quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez? En tant que malade, ce que je souhaite, oui. je veux aller le plus vite possible. Merci. Otherwise, je vais aller sur mon ambassade. I don't want. Ça I don't want help for nobody. I want to do for myself. Okay. The government of US helped me enough. Okay. Ça va. But this is not. I don't know what to call them. Oh. I drink. I have to drink this for 24 hours. 24 hours. Anytime I take the medicine, that's what I take. That's it. In fact, the medicine got passed, I have water. So, il faut comprendre une chose. Notre responsabilité, c'est ça qui nous amène ici. Mais la faute, c'est pas nous. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes responsables seulement.
Vous avez un contrat avec Air Sénégal et nous, nous venons aider parce que c'est notre responsabilité en tant que gars. Ça, il faut le comprendre. Donc, ce que Air Sénégal vous a fait jusqu'ici, c'est pas bon. On rassume. Maintenant, on cherche des solutions. Le problème, c'est des solutions. C'est pas de se plaindre. Ça ne règle pas le problème de se plaindre. Ça ne règle pas le problème de s'énerver. Et sachez ceci, en tant qu'État, on va examiner toutes les pistes de solution. Vous comprendrez mon devoir de réserve. Si je vous dis, on vous met dans une autre compagnie, si on n'arrive pas à le faire parce qu'ils n'ont pas de place, on fait comment? On va dire que j'ai menti. Je vous dis, toutes les possibilités vont être regardées. Trouvez un autre avion. Vous remettre dans d'autres compagnies. Toutes les possibilités à partir d'aujourd'hui sont en train d'être regardées pour que vous passiez le moins de temps possible au Sénégal. Moi, c'est ça que je peux vous donner comme garantie. Et je ne peux pas vous dire, on va vous mettre sur telle compagnie, après, je n'ai pas de place, je fais comment? Parce Monsieur, que les compagnies aussi, ils ont de quoi. Pourquoi Air Sénégal continue à vendre des billets? Transair continue à vendre des billets. Pourquoi? Pourquoi? Ils savent qu'ils n'ont pas l'autorisation de décoller. Transair n'a pas l'autorisation et ils continuent à vendre des billets. Ça, c'est pas normal. Madame, vous me posez une question. Venez chercher la réponse de votre question. Moi, je veux. Attendez aussi, hein. Je veux aussi que quand vous me posez des questions et que moi je vous écoute très correctement, que vous ne me tourniez pas le dos pour partir. Non, c'est pas que vous allez me répondre. Excusez-moi. Voilà. Okay. Oui, parce que moi aussi, comme vous, j'ai dit, oui, je suis un être humain. Oui. L'État a une responsabilité sur Air Sénégal. Toutes ces erreurs ont fait que l'État a pris des décisions fortes pour changer le management de l'Air Sénégal. L'information, vous l'aurez. D'ici quelques heures. Vous l'avez ou vous l'aurez. Mais l'État a pris ses dispositions pour qu'on puisse petit à petit arriver à une situation telle que on s'assure que quand on vend des billets, qu'on fasse le transport. Vous avez parfaitement raison. On en est conscient et les mesures sont en train d'être prises. C'est pas on promet de prendre des mesures, mais les mesures sont même déjà prises. Les mesures sont même déjà prises au niveau de l'État. Parce que les gens. Attendez. Pourquoi c'est urgent de résoudre ce problème de dignité? Moi, je suis un professionnel de l'aérien. Je sais ce que c'est. J'ai travaillé plusieurs fois sur des situations de crise comme ça. Le passager ne se rend pas compte qu'il est dans une situation en dessous de la dignité s'il reste dans une aérogare pendant des heures et des heures. C'est pas bon. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'hôtel, de manger, de vous changer, de rester à l'aise, de retrouver votre calme et de nous laisser trouver une solution. Maintenant, vos camarades dans la salle, ils m'ont mis la pression en me disant, donnez-moi un délai. Mais moi, je leur ai dit, tapez-moi, faites ce que vous voulez, mais je cherche. Quand je trouverai, je vous donnerai un délai. Mais je ne peux pas vous donner un délai si je ne trouve pas, quelles que soient les pressions que vous ferez sur moi, quel que soit ce que vous me direz, tant que je ne trouve pas de solution, je ne pourrai pas vous la donner. Maintenant, et je vais finir par ça, vous allez traduire, je leur ai demandé leur numéro de téléphone. On va chercher. Dès qu'on a des infos, on vous donnera les infos. Ils ont. Là, c'est fini, frère. Laisse finir. On n'est pas avec des questions. Pardon. On n'est pas avec des questions. Et après, vous allez poser des questions. Attendez d'abord. Allah. Air Maroc. For acting like we're going just for playing with our mind. That's the first option, and that's what Air Senegal was doing all this time. The second option is to tell us the truth. And the truth is we cannot leave right now. To tell us the truth, there is no flight in Senegal that can take us to US today. They have to get a flight from another country, and they don't even know where yet. And that flight got to come over here and take off. We said, he would like to tell us the truth. If we gotta fight him, we can fight him. But he will never lie to us. And I said, we prefer people that tell us the truth than lying. Right? Yes. We don't want to lie. Yes or no? Yes. So he told us the truth that we cannot leave today. No problem. So he said he promised right now the situation of these people right here is most important for the government of Senegal. Because all the ministers are working on this case right now.
They want us to go, but they don't want to lie to us. Because he said he can tell us we can leave tonight and he go. But when he do that means he lied to us, right? And then we will say the government are lying. So he don't want that. He don't want to have that etiquette on him. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes des êtres humains. Vous avez droit à la dignité. Je vous dis, vous êtes des êtres humains. Vous avez le droit à la dignité. La dignité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas vous laisser ici des heures et des heures. Vous mangez des petits sandwichs. Vous allez dans des toilettes publiques. Vous n'avez pas d'intimité. Vous ne dormez pas. Ce n'est pas une situation de dignité. Même si certains sont énervés et disent, nous, on reste ici. Ils restent dans une situation qui n'est pas digne d'un être humain. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on prenne toutes les dispositions pour vous amener à l'hôtel, que vous puissiez vous changer. Laissez-moi finir. Je comprends.